Plus derrière, j'arrive. côté sud. On va prendre celle du milieu. C'est ouvert. On rappelle qu'on voit ces belles beaux graphismes que c'est le Unreal Engine 3,5 quand même. Faut être très classe. Très Pourquoi faut pas prendre la troisième tu dis? Parce que Elle est oui, cassée, au milieu l'échelle, ouais, je sais pas. Il y a juste à descendre, c'est assez facile. Hop, je sors ma truc et voilà, on peut ouais, éclairer. Je fais le damage, oh putain, mais violent. C'est pas du petit. T'as des bandages ou pas? Ah mais non, t'as pas l'anatomie toi du coup. Y'a rien du tout. T'avais juste un truc à tamer, t'aurais eu l'anatomie. Ah merde, je suis en train de remonter, chier. C'est un peu casse-couille ça. Là. Vous entendez? Ah ouais. Là y'a un prêtre, si jamais on meurt, hop, on peut revenir ici lui parler et il va nous rendre la vie. Savoir et qu'il y a si une. Dans les égouts, vous ne descendez jamais sans torche. Parce que, attends, va dans le couloir et ouais. Enlève ta torche juste pour remonter. C'est le vrai noir. Voilà. C'est le vrai. Je peux vous dire que quand vous êtes perdu là-dedans. Mais ceci étant dit, ça peut être utile des fois de rengainer sa torche pour se cacher quand il y a des mecs qui vous attaquent. Oui. Ouais, après pour retrouver ton chemin, en plus, vu comment le truc il est long. Il y a des PK comme moi qui sont en jaune qui arrêtent pas d'attaquer. Et qui font 0 de damage en plus. Ça me tente trop de pouvoir parer ce truc. C'est chiant de pas pouvoir faire le end tutoriel. Tuto. Attends, je regarde. Ah, j'ai essayé, ça marche pas. J'avais réussi moi, j'en ai, mais. Moi, HP, je suis à 91. 89 sur 91. Un truc de fou, quoi. Mais j'en ai plus que toi, je crois. Enfin, techniquement plus que toi parce que je suis sur un chiffre à chiffre. Juste le fait d'avoir fait ce putain de tuto jusqu'au bout quoi. Mais bon après comme on disait là par exemple hop, je vais mettre en moins des matériels lore d'animal matériel genre de conneries qui prennent des points pour rien. Hop là. Puisque tout à l'heure nous avons fait du skinning. Du coup on passe à fait devant avec les... Ouais, je suis le porteur de la torche. Vous pouvez taper à la torche, c'est du club, mais ça fait quasi rien de dégâts. Dommage, là, il devrait mettre enfin un bonus. Mais il y a une époque, il y a une époque avec les torches, il y a eu un bug, et on pouvait dismount les mecs avec le club. Il y a quelques vidéos qui tournent encore de ça, mais ça date de hier. T'arrivais, tu tapes à coup de torche, et le mec, il se faisait dismount. C'est qui, Ryoma? Ça peut répondre à ta question. Oh, je crois qu'on a quelqu'un en face. Attention, j'ai vu de la lumière. Ah, c'est moi, mais attends, derrière. Ah merde, mais t'es derrière et je le vois devant la lumière. T'es passé devant? Pas au pire, donc si quelqu'un fait les scandrels, on peut essayer de le taper. De toute façon, c'est pour la bonne cause, c'est pour monter au nid. Ah, faut attendre qu'il reste pas. Ouais, ça a été fait, j'avoue. Regarde. Ah non, mais c'est Bites qui est. Bah, montrer les scandrels au nid, c'est pas si bien que ça, hein, parce que savoir que c'est pas tant farmé, et plus il y aura de gens, plus il y aura de buffers. Hein. Oui, bon. Sachant qu'il y a pas. Il y a trois spots, hein, donc je sais pas non plus. Bah, on leur montre. Pour moi, je préfère leur montrer ça que leur montrer les Walking Dead. Après, on leur montre les Walking Dead au pire. C'est sûr, mais bon, dans ce cas-là, montrez-leur aussi juste derrière les bandits pour leur montrer les. Oui. Bah, les bandits, on va faire des boîtes. Ouais, c'est clair. Déjà, on va sur des trucs qui sont faisables. Non, mais attends, c'est Delarian ou c'est pas Delarian? Je suis sûr que tu es un bandit avec un perso and skill. Ah, c'est clair. Non. Ouais, quoique. Je sais pas. J'ai pas envie de tenter le coup. Tu vas marcher au plafond. Ouais, ça c'est des petits glues, ouais, moi aussi. Ah, on a des persos volants. C'est bien pour un let's play de montrer à quel point il y a des jolis trucs dans Mortal. Tu fais sa magie. Hop là. Oui, bah ouais. Ah, c'était le bonus pour avoir suivi la vidéo. C'est clair. Je me demande combien de vous t'auras avec cette vie. Bon, on verra. Bah, écoute. Ah non, mais je vais la cut. Ce sera une demi-heure pour la première partie. Oui, je pense que ce serait bien ouais, de la faire. Enfin, la couper en deux parties elle-même. Non, mais déjà, je vais cut des endroits qui étaient pas forcément utiles. Non, j'entends gueuler là. 30 secondes. Après, au pire, ah là, tu peux proposer une version. 30 secondes, je reviens. Il y a un problème chez moi. Hop. Je pensais un peu à Zelda là.
Allez, c'est parti. L'escondrel. Bon, on va essayer de se faire des boîtes en 2 secondes. Il y en a 4 en plus. Vas-y, Darnus, c'est toi qui as le plus de points de vie. Alors que c'est moi qui ai commencé le plus tôt. Ouais, j'avoue. Vas-y, tu l'as gros celui-là. Ah, mais en fait, non, mais ils sont complètement. Ah, mais tu lag. Ah, d'accord. Non, j'ai juste un peu pris là. Ouais, t'es en train de cracher, ouais, on peut le dire. Ah, ouais, c'est vrai. Bon. Go, allons-y. Tu me diras, j'ai pas vraiment besoin de ma. De ma torche là. Ah, ça me casse les couilles ce truc pas assez criminel. Vous êtes tapé dessus et hop. Ouais, ils sont vraiment faciles à tuer quoi. Même pour des noobs. Donc dedans. Alors les scoundrels aident, ça rapporte des trucs si je me rappelle bien. Hop. D'ailleurs, ma gloire. C'est la gloire, ouais. Oh, les bandages, cool. Hop. Bon, ramassez pas les carcasses, ça sert à rien. C'est pas... ça... bon, on peut les butcher, mais... je pourrais récupérer que de la merde. Ça, si vous êtes vraiment très très, très pauvre. Ton sort Nessaros avait HP. Ce qui est bien, c'est que je peux pas te faire de miss hit moi, même si je vous tape dessus. Pff. C'est pas moi qui vous tire. Ok, bon, je l'ai dessus. J'aime bien parfois galérer à deux sur notre. Oh, du poisson tout pourri. Ouais, toi aussi, Adarnus, t'es en train de claquer là. Non, Adarnus. Mais non. Alors, ouais, j'aurais compris, le PVE dans Mortal, c'est génial. Ouf. Ouais. Ah, mais non, mais tu fais pas un mortal pour le PV. Moyennement, effectivement. Wow, tu l'es pas si mal, hein, c'est pas. Justement, non, c'est le fait qu'ils soient un peu fort, buggy hein. Et dur, ça rend le truc un peu plus. Hop là, je me pose un petit bandage. Alors, les bandages, c'est super important, les bandages. C'est pas le point fort, ouais. Ouais, c'est... ouf. Moi, je dis, s'ils avaient fait un jour petite mille dragon, ça aurait pu être mieux. Nice. Déjà qu'ils mettent la reine et puis on verra pour le dragon. Oh, bon, il faut qu'ils se mettent à l'arc. Ouais, enfin, je suis désolé, l'une des premières cinématiques de Mortal que j'ai vu, il y avait un dragon. Alors moi, je reste sur le J'espère qu'un non, c'était pas un dragon, c'était un oiseau. Avec les c'est bien le pari au moment, c'est un truc qui me tape dans le dos. J'ai pas. Hop là. Vous avez compris, les scoundrels sont vraiment, vraiment très agressifs. Hein. On est couché à côté d'eux. Hein. C'est pour ça qu'ils sont assez faciles à faire comparé au Walking Dead quand même. Moi, je sais pas si ça rapporte plus la tête de scoundrel ou pas. Si,
si, carrément. Moi, beaucoup. Je fais 15, je le ramène 15 par 15, chaque fois c'est 5-6 PO. Ah, ben voilà, le, tu vois, donc le anatomie, il est vite lu, hein, avec ça. Pareil, j'aime ta vie, Edermus. Alors, en vous couchant, il y a le active régénération qui monte, c'est là, ça vous permet de régénérer les points de vie. Mais ça, c'est un truc que vous enlèverez par la suite parce que c'est juste pas possible de s'allonger en combat. Enfin, pour ceux qui ont envie de faire du PVP, hein. Pour les autres. Je sais plus dans quoi il est d'ailleurs. Bah... dans Wildness, je crois, bah non, endurance. Tu peux t'allonger en combat, quoi. C'est juste que tu vas pas. Ouais, tu vas pas survivre. Ouais. Tu peux faire l'idiot, ouais, c'est sûr. Après, je suppose qu'en pratiquant en forêt, tu te mets dans un buisson, tu t'allonges, ça peut passer peut-être. Ça, oui, tu peux te cacher, effectivement. T'as les buissons, hein, tu passes. Oh, j'ai fait un bandage à 15 HP. Bah, surtout si c'est un bordel et qu'il y a un bus, tout ça, et que ça peut pas monter, paf, tu te caches. J'y vais, je reviens dans. Ouais, ça marche. Je vais sûrement cut le fraps là pour le reprendre après. On va faire encore quelques trucs. Hein. De toute façon, ça fait très long de ce qu'on aurait à tuer là. Je vais l'arrêter. Ah oui, ah merde, attends. J'ai oublié, je peux pas le faire en ticket direct, donc le stable et ensuite. Ouais, 50 silver le ticket. C'est chiant ça. Mais du coup, j'ai pris que 50. Attends, Rhinocéros, je vais te passer ton stuff de fou. Donc, Rhinocéros étant mort pendant ce grand moment dans les squadrons là, je vais lui rendre son stuff. Si on peut appeler ça du stuff, hein, bien sûr. Là, et je vais te passer des bandages aussi. Sait-on jamais. De toute façon, là, hop, merde, je suis bloqué. Ah, hop là, tiens, Rhinocéros. Oh merde, tu m'as fait passer un bandage. Tiens, accepte. Ah, c'est bizarre, j'ai pas récupéré tes legs. Bon, tant pis. Non, je m'en bats les couilles. Ouais, j'avoue qu'ils sont tellement magnifiques. Ah si, je l'ai jeté legs. Donc ouais, je vais montrer un petit truc un petit peu au niveau du trade broker quand même, ça c'est intéressant. On peut tout acheter au trade broker, enfin tout acheter pas mal de choses, des weapons, hop là, et des prix variables suivant. Faut faire gaffe de pas se faire entuber non plus quand même. Du shield, des arcs, des armures, enfin, énormément de choses, des ressources aussi, hein, des pas mal de choses quoi. Franchement, il y a énormément de trucs. Et c'est un petit peu la partie, si vous voulez revendre des choses, ben c'est bien de passer par là. Ou d'aller sur le forum officiel aussi pour vendre. Ça peut être voir un peu mieux aussi, parce qu'il y a une partie sur le forum officiel pour vendre. Qui est pas mal. Alors, je vais prendre les gold qu'on a gagné en vendant les têtes de Scoundrel. Ça a fait combien? Là, on est à 5,33. Donc... ouais. Donc bah, on peut s'acheter deux anatomies, hein, un pour toi et un pour moi, et c'est pas cool ça. Donc le... alors, je vais partager avec toi. Je vais essayer de pas me faire les voler. Parce que, hop. Parce que normalement je devrais pas faire ça, mais bon. Hop. Il faut éviter d'avoir des sous comme ça. Hop, tiens, accepte. Vas-y, accepte. Tu peux accepter rapidement parce que là j'ai les thunes sur moi. Rhinocéros. Oh, Kirk. Ouais. Accepte la trad parce que tu vois là, je me balade avec des gold entières, j'ai pas envie de me les faire. Voilà. Donc allez, on va s'acheter l'anatomy book. Là on va vers le libraire. Donc on peut acheter tous les books qu'on a besoin. Chez les libraires, alors ils sont pas tous vendus forcément au même libraire, mais là on va aller sur celui-là. Ouais, enfin bon, non, on va pas faire des tutos sur tout, il y aura un TeamSpeak aussi. Ouais, donc anatomie, on peut commencer avec le truc, 7 filters et anatomie encyclopédia, le premier book à lire, vraiment important. Vous voyez, ça n'a pas été long, on a fait quelques scoundrels, on a pu l'acheter, il a 2 gold 50.
Alors, vous avez compris, il y a des coupes room, des silver et des gold. Donc, les 100 coupes room est égal à un silver, 100 silver est égal à un gold. Voilà, là j'ai arrêté le bouquin de DP parce qu'il n'est pas utile et je lance Anatomie Encyclopédia en cliquant droit dessus et ça permettra de me passer des bandages plus efficaces que ce que je fais là pour le moment. Voilà. C'est un des premiers trucs à apprendre quand vous voulez faire un guerrier ou même un mage. Je parlerai de la magie dans la troisième partie, dans tout ce qui est high level parce que c'est assez long à monter un mage et je ferai avec un mage qui est déjà maxé. Ok, maintenant on va aller fabriquer de la nourriture pour les chevaux parce qu'on va se faire un petit tour à cheval. Cheveux au vent. Moi j'ai déjà un wolf brush donc tu peux vous en trouver un. Ouais, moi j'ai pris le tuto, enfin j'ai pris le gator, enfin le tuto cooking vite fait. Hop. Alors, on va ramasser un wolf brush à la base si je me rappelle bien. Au niveau des. Par contre, il nous faut de la flotte donc allons à la fontaine, non? Ouais, je vais y aller, mais attends, je vais juste à côté, il me semble. Ouais, c'est vrai aussi, j'en prendrai ici. Tu trouves tout sur place, de toute façon. Hop. Ouais, pour faire de la bouffe de cheval, ça va, c'est pas super compliqué. Hop. Là, vous prenez un wolf brush, donc avec la petite main, qui est sur mon 4 là en haut. Hop. Même toi, t'as le cooking, et au départ, les Ouais, mais je leur ai montré tout à l'heure comment prendre le. Ouais, je montrais comment faire le tutor cooking. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas le tutor cooking, vous pouvez acheter le bouquin, il coûte 10 silver, vous le lancez, vous l'arrêtez directement. Enfin, pour relancer un book, clique droit dessus, je le montre, mais je le fais pas pour de vrai, vous appuyez sur yes. Voilà. Hop. Vous pouvez porter combien, max, vous? Ouais, pas énorme, hein. Je sais pas. 42 là pour le moment. Donc c'est pas énorme, mais bon. Ouais, encore. Ouais. C'est pas très grave là. C'est histoire d'aller jusqu'à Medulli. Mais bon, toi, tu vois. Alors là, on va ramasser un petit peu d'eau. Donc en règle générale, qu'on est maxé, si vous prenez par exemple 5000 de flotte, ça fait à peu près 2500 de bouffe quoi, derrière pour les chevaux. À peu près. C'est moite-moite. Donc là, hop, avec la petite main, on ramasse l'eau. Et on va la cook après. Voilà, hop, c'est suffisant. Hop, 6 là en haut pour moi, c'est le cooking. Donc, je mets mes ingrédients là et là. Là, on peut mettre un tool quand on a le cooking un peu plus maxé pour pouvoir utiliser des outils type des cooking pods, des choses comme ça qui permettent de faire de la cuisine sur du feu et de faire des bouffes un petit peu plus sophistiquées. Mais sinon, voilà, hop, ça vous fait de la bouffe crue, voilà, qui est pas trop dégueulasse. Là, j'ai de la horrifique cold. Wolf brush, donc il va se régaler le cheval. Hop là, et voilà un cooking de fini. T'es en train de la bouffer? Ouais, bah le perso est la fin. Hein. Ouais, donc, ouais, voilà la petite barre grise que je parlais tout à l'heure, elle est là. Donc, plus vous faites une action, plus ça shoot dans votre stamina. Ou dans vos points de vie, là c'est ma stamina qui a pris du gris. Alors pour l'enlever, vous allongez, ça récupère. Mais en bouffant de la nourriture qui contient pas mal de sliders, vous voyez stamina enrichment en haut là sur mon écran, ça permet de remonter ça aussi et de mettre dans les réserves qui sont juste au-dessus là, cette petite barre toute fine. Et ça vous permet d'éviter d'aller dans le gris justement, d'avoir de la réserve. Ça fonctionne un peu comme une bagnole. Ouais. Ah ouais. T'as réussi à te reco là ou pas? Bah ça tombe bien, on va partir là. Ouais. Je vais faire un peu de bouffe, on va aller tame des bestiaux. Voilà, vous avez ce que vous avez, on peut... Là je monte un petit peu, hop, voilà, ça remonte ici la stamina, même si c'est pas énorme, surtout avec cette bouffe qui est dégueulasse. Mais ça le montre. Ouais, on va montrer vite fait le graveyard aussi, ouais, parce que c'est un endroit où il y a moyen de faire des thunes. On va pas y rester 10 ans parce que c'est... On en a déjà fait des thunes. C'est l'étape obligatoire pour tous, donc... Ouais, ça ou les secondes, hein, mais l'un ou l'autre, c'est pas mal.
Le graveyard est plus facile pour un débutant. Là, nous, ça va, on est un peu vétéran quand même. Ça nous permet d'aller au Scoundrel Directus. Mais c'est vrai que quand on est débutant, autant commencer par là. C'est plus facile. Voilà. Le graveyard, donc il y a des Walking Dead à tuer. Faut faire gaffe, il y a pas mal de gens qui passent au milieu aussi pour essayer de blue block quoi, et de faire passer les gens gris pour les tuer par la suite, ainsi de suite. Et qui perdent le peu de merde qu'ils ont sur eux, parce que c'est vraiment de la merde ici. Vous avez pas récupéré. Après, les têtes de Walking Dead peuvent être vendues ou échangées. Chantrust. Des armes, ouais, exactement. Alors, Trust as a default attack, j'enlève. Hop. Voilà. Donc, ouais, le pari, c'est quand on bloque au bon moment. Hop. Lui, il va tenter de blue block. Ouais, donc, quand il fait le blue block, il faut essayer de faire des attaques cliquées avec RL. Surtout apprendre à utiliser ses TRL. Ouais, le contrôle. Le contrôle, ça permet de casser le. J'ai expliqué tout à l'heure. Ça permet de vraiment de casser l'animation et d'éviter de lâcher son coup. Et surtout, ça prend pas de stamina. Donc c'est pas mal du tout. La stamina, c'est très important dans le jeu. Très 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 important. Le truc le plus important dans ce jeu. C'est pour un guerrier. Alors, on croise les doigts. Je me suis pris une belle patate. Hop là, voilà. Bon, je vais montrer un petit peu, moi, de mon côté, à quoi ressemblait Graveyard. Vous êtes bon, là, les gars? Hop. Je vais montrer, je vais vite fait montrer où se trouve le celui qui permet d'échanger les têtes de Walking Dead contre des armes de débutants, des choses comme ça. Ouais, ouais. Hop là, ça va prendre quelques secondes. Et après on se retrouvera à l'entrée de la ville. Et le coquille t'attendait en ambuscade. Ouais, en ambuscade juste pour ça. Vous voyez, il y a des trolls même. Même sur Mortal, c'est triste quand même. Le pire, c'est qu'il joue avec nous. Surtout sur Mortal. Ah tiens, tu veux pas ton fut là? Tu prends triste, j'en ai un fut pour toi. Tiens, regarde. Je suis très bien tenu, moi. Ah, je ouais, Naturist for the win. C'est clair. Oh, on prend de Naturist, ça serait pareil là, vu ce qu'on a. Après, alors il y a des armures bien plus sympas dans le jeu que ça, je vous rassure. Hein. Non, il y a un vrai problème là, ça fonctionne pas. Ah merde. Bah, écoute, essaie de le lancer autrement que par essaie de le lancer autrement que par Steam aussi peut-être. Ton Steam qui déconne. Ouais, peut-être. Tu vas dans le Steam app. Par contre attends, je suis virino mais je t'ai paumé du coup. T'inquiète, moi je vais à la. De toute façon je sais où tu vas. Ouais. À la peau de chance. Ah, c'est bon, je t'ai retrouvé, t'es passé par le petit bâtiment. De me déloque de ce perso là. On a bientôt fini. Hop là. Ah, je sais plus si c'est le. Non, c'est celui-là là-bas. C'est notre ami Herald. Qui. Voilà, il peut. Alors, il y a des skills. Et je crois qu'il y en a un aussi qui a l'entrée du. Ouais, juste un peu plus loin à la porte. Ouais, à la porte. Qui accepte les têtes contre des merdes. Enfin, qui échange les têtes contre des armes à la con ou des. Enfin, de débutants qui permettent en tout cas de continuer à faire du Walking Dead et ainsi de suite. C'est une façon de faire de la thune aussi. Après, il y a plein d'autres façons. La butcherie aussi qui est pas mal. Voilà, par exemple, l'anatomie encyclopédia, vous pouvez l'acheter carrément avec des têtes. De Walking Dead directement. Combat balance, ça. Je crois qu'il doit avoir une exceptional Teen Remix Sword pour un gold, mais j'ai pas assez, je pense. Non, j'ai que 16 silver, bon, c'est pas grave. Donc voilà, la valeur de la tête peut vous faire acheter tel ou tel truc. Ok. Et c'est parti pour aller chercher des chevaux. Oui. On espère que. Que Edernus va arriver à se connecter avant la fin du let's play. Mais c'est pas sûr. C'est pas dit. Allez, on se retrouve tous à la gate principale. Ouais, on y est, on est en train d'y aller. Voilà.
Okay. Un peu plus loin devant toi. Il y a quand même pas mal de monde là, franchement. C'est hallucinant quoi. Depuis que c'est parti, c'est sur Steam. Ah, c'est cool. Même si beaucoup de joueurs sont ont testé puis sont partis, on a quand même 5 fois plus de players que c'est clair. C'est clair. Là, je crois qu'on tourne dans les entre les 1200 et 1500 joueurs. Le nombre de fois, ça me touche. Le nombre de fois où là je me suis fait ganker en faisant des trajets, rien que ça, c'est incroyable. Je me suis plus ganké depuis la release de Steam que les deux dernières années où j'ai joué. Ah, c'est les trajets c'était tellement plus safe. Là, tu tombes toujours sur des groupes de 3-4 mounted. Je tombais sur plein de fois, il y avait des gars, c'était des mounted archi, j'étais sur mon mineur ou quoi. Les mecs qui sont 3 noobs, puis ils décident de tourner cri comme ça parce qu'ils voient que t'es à poil, et ouais, ils te tuent, c'est à 3, ils mettent 5 minutes, mais ils te tuent quoi. Alors là, je suis en train de montrer. C'est cool, tu vois, ça vit un peu. C'est clair. Là, quand je cours avec l'arme dégainée en sprintant, je vais plus vite que si je cours avec l'arme engainée et en sprintant. Mais c'est pas flagrant. Pressing technique et tout ça. Voilà, c'est des choses qui montent là. On voit le foot speed qui vient de monter. Bon, seul chat il m'énerve un peu, je vais le désactiver peut-être. Mais bon, c'est bien, c'est bien que j'en vois peut-être. Oui, non, mais ils l'ont vu depuis tout à l'heure. Donc ouais, c'est ça. Intéressant de lire le chat, moi, je trouve. C'est juste que nous, on est. Intéressant à lire, c'est toujours marrant. C'est juste que nous, on est vétérans, on manque le chat. Après, ça peut être bien. Fait qu'on peut trouver d'autres francs. Ouais, il y avait un loot. Je pense qu'il y en a qui va passer gris devant tout devant les gardes. C'est une Dremic Burton, si tu vois ça. Qu'est-ce qu'il a? Ah non, mais c'est un bouquin qui a été écrit par un joueur. Ah ouais, c'est ça. Allez, hop, je prends. Go. T'es parti pour run. Ok, c'est bon, les gardes sont pas sur toi. Non, y'a rien. Y'a rien du tout. Ok, on va pouvoir monter. Hop, au spot de chevaux. Enfin, de chevaux, c'est un grand mot de Donkey. Là, pareil, dans les arbres, on peut ramasser des trucs. C'est cool. Pour bouffer. Je reviens un peu sur le côté est. Non, je lis le est. Ouais. Non, mais c'est écrit dans le bouquin. Ouais. C'est genre. C'est en rime, c'est long, hein. Ouais. Il y a au moins 3 pages. Tu me le passeras que je montre un petit 4, peu sur 5, le Fraps. 7 pages. Hop là. C'est genre un conte ou. Mais ça rime, quoi. Hop là. Ah, on va, vas-y. Bah, on passe le. Ouais, comme ça. Comme ça, je serais bien de le garder, ça, je trouve que c'est un beau souvenir, tu vois, c'est pas comme s'il y avait juste écrit deux lignes, quoi. Le mec s'est pris la tête à l'écrire parfaitement et tout, tu vois. Je peux pas revenir en arrière. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal du tout. Non, ça, c'est un joueur qui l'a écrit, hein. Donc on peut acheter. On peut acheter. Non, mais j'explique pour les gens, quoi. On peut acheter des bouquins et écrire dessus et raconter sa vie ou des choses. Bah, là, c'est pas vrai que c'est pas mal du tout ce qu'il a fait. Ça vaut le coup de le garder. Attends, vas-y, parce que moi, vu ça que je regarde. Vous l'avez eu sur un cadavre? Ouais. Donc ça s'appelait Mystica. Enfin, là, on voit que ma barre de faim, il y a un peu de verre dedans, donc du coup, c'est que j'ai la dalle. Et je vais manger un petit peu. Ça va me faire monter un petit peu aussi. Remonter peut-être ma stamina, ouais, ça va me faire monter. Pas des masses, mais. C'est déjà ça. Super. Ok. Je dégaine, courir un peu plus vite. Là, il commence à faire sombre. On va où là? On va aller sur le spot de Donkey qui est juste là-haut pour récupérer 3 Donkey et puis se barrer. On va aller faire un tour en mettre du lit. Alors, c'est super important aussi de dire qu'il n'y a pas de map sur Mortal Online. Là, on est en train. Voilà, la boussole qui est là. Oui, ça fonctionne. Oh, superbe. on va être au spot de Donkey qui est au-dessus de... Cheval, ou... oh, bah, c'est un cheval, ouais, viens direct avec, ouais, mec. Je te conseille, garde-le bien, puis garde-le. Garde le top de cheval, tu te le feras tuer bien assez tôt. Parce que si tu veux aller faire des razorbacks, tout ça plus tard, tu auras bien de chevaux. Il est là-haut, là, sur un... Attends. Le spot, il est là-haut, sur la colline. Comment dire, Tim reconnaît quand que tu joues avec un Mortal Kombat. Ouais, bien sûr. Parce que t'es toujours linké, même si tu le lances depuis le Steam un peu. Donc là on voit mon foot speed qui monte, mon sprinting, mon combat movement. Tout ça c'est des skills. Alors il y a 1100 points qu'il faut répartir de façon
intelligente quand même pour pouvoir être OP. Le concept de secondaire et de primary. Ouais, c'est ça, ouais. Au début, c'est pas simple. Ouais, c'est clair. Donc là, le, par exemple, l'anatomie est un primary, le damage assessment est un secondary. Donc les primary, c'est ça qui va prendre dans les 1100 points. Les secondary ne prennent pas dans les 1100 points, mais peuvent vous aider à monter un primary en lisant le secondary. Là, voilà. Par exemple, l'anatomie, quand je serai arrivé à 50 en anatomie, je pourrais lancer Damage Assessment et ça continuera à monter anatomie. Du coup, parce que l'un entraîne l'autre. Donc c'est vraiment pas mal ça. On est vraiment juste à côté du spot de cheval là. T'es plein sud par rapport à Timbrel. Sud-est. Ouais, sud-est. Sud, tu passes le spot de Razorback et tu continues en haut de la montagne. Ouais. Sud-est. Là normalement il y a un spot, je l'ai vu hier déjà. Encore. Et après il y a la Mortal Online Map .info, ouais, qui est bot, je la mettrai sur le aussi sur le dans la description. Qui permet d'avoir une map globale de Mortal. C'est la seule, elle a été créée par les joueurs. C'est très marrant dans ce jeu parce que c'est comme dans la vie réelle, ça va se repérer par un. C'est clair. C'est pas si simple. Bah là, c'est les éléments du décor. Il y a un mec à gauche, ah non, c'est un les donkeys sont là-bas. C'est un donkey. Ouais, on a des ânes, parfait. Donc c'est. Qui tape là? C'est début. C'est il va essayer de nous trouver des level 25 parce que alors, pour les animaux il y a des levels. Il y a un rouge à poil. Moi je suis à poil, vas-y. Tu lui mettras un petit peu de stats là, ça. Ce sera une explication ce qu'on donnera sur le height leveling. C'est clair. S'il est doué, il va te. Non, non. Ouais. Bon, ben, on te le. On va prendre une taille relativement correcte parce que là ils sont vachement petits. Hein. Ouais. Donc alors, bah, voilà. Marche, ouais, mais je l'ai montré un petit peu tout à l'heure, hein, donc c'est. Tu peux arrêter le push to talk, s'il te plaît, Edornus. Ah, je l'ai défoncé. Ouais, ok. Ton push to talk. Au contact rouge là. Ah, ok. Ah, c'est bon, il fait hey. Stop. Ok. Molva, je sais pas si ça peut vraiment prendre un Molva. Je demande pas mal. Je sais pas comment il va le jouer, le mec. Ok. Donc. Bon, on va tuer sauf son cheval là, c'est tout. Vas-y, tue son cheval, vas-y, c'est une bonne idée. Il va taper. Il va taper dessus en tout cas, c'est sûr. Il est obligé de remonter dessus. Vas-y, défonce le cheval. Ah, tu fais pas le marien là, hein. Alors. Pensez à bloquer à gauche pour contre les montadas. Il est en quoi le mec? C'est un montada combat. Monter en haut de la montagne, il va galérer à monter. Ouais. Non, tu vas avoir du mal là. Ici, dans le sens. Hop là. Hop là, ouais, toi. Ouais. Hop là, parfait. On se prend, je vais me prendre du 15 paris quand même. Fais gaffe, il est juste derrière ton dos. Prépare-toi à paris. Tu as envie ou pas? C'est dommage. Hop, il revient sur moi. Il est low HP ou pas? Non, son cheval. Oh putain! Oh le coup qui m'a foutu! Dommage. Faire galérer tant que possible. Non, au pire, t'éviteras, puis on remettra la vidéo au moment où. Oh non, mais c'est pas grave, c'est marrant de montrer aussi ce qui peut arriver. C'est mortel, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au pire, on va aller sur Rez à Medulli directement. Ouais, puis on trouve aller donc. Ouais, exactement. Allez hop, c'est parti. Mais de toute façon, là, un OHA qui me demande de muter mes démonstrations, si j'avais pu, j'aurais pas de. Ah non, mais de toute façon, je crois pas que c'est ça qu'il voulait. Je pense que si, il voulait me. Tiens, on a failli kill son cheval, c'est dommage. Quoi. Il aurait été comme un con, le mec.
Donc ça c'est le mode mort. Donc ben voilà, c'est pas plus mal parce que ça me permet d'expliquer que tous les trucs qui sont dans le ciel, les faisceaux lumineux, c'est des prêtres en fait. Et ça nous permet de nous repérer. Alors en appuyant sur P, Nearest Shrine, ça nous fait apparaître au shrine le plus près, donc au prêtre le plus proche. Et sinon, ben on marche si on connaît le chemin. Mais là, On reste. Ouais, exactement. On reste en haut de la forteresse. Ouais, clairement, c'est ce que je pensais aussi. Des donkai. Ah, il me tue là. Ah, il y a fait ça. Il m'avait déjà tué deux autres fois, je crois. Ouais. Il m'avait déjà tué des bleus. Non, mais surtout, des bleus. Il est trop noob ce mec. C'est clair, tu te rends compte, on a fait du kill sans cheval. Tous les OHA sont des noobs, hein. Tous ils aiment tuer des. Oh, il se bat. C'est bon, il se bat. Bah, si tu tapes dans sa mount, elle est quasi morte, hein, mec. Donc. On l'a défoncé avec des striking shards. Bon, ce qui est bien, c'est que... Du coup, tu vas devoir me rejoindre encore plus loin. Ouais, parce qu'on va être au deuxième spot de Donkey, celui qui est au niveau de la... J'ai envie de log mon mounted, là. Surtout que là, tu le haches en deux coups, quoi, le mec. Je le défonce, là. Et, mais là, c'est pas mal d'un côté, ça me permet de montrer aussi la mort, hein, le système de mort et d'en resurrect. Et... La dernière fois, je me log... Immortal, c'est un peu un jeu où on peut comparer à Dark Souls ou d'autres jeux comme ça, où c'est un jeu où la mort, on passe beaucoup de temps en mort. Pas mal de temps, j'avoue. Surtout au départ, hein, c'est normal, c'est aussi ça qui fait le charme. Tu vois, Scap League, ouais, je sais. Je me log sur mon Mounted et tout, tu sais. Et il connaît bien mon Mounted, tu vois. Et je fais mon breeding et tout, il me voit là à la banque. J'ai eu sa monture. Oh, non. Non. Bien joué. Il court maintenant parce que du coup, il a quand même. Oui, il va te buter par contre. Ouais, il a peut-être plus de speed que toi. Toi, t'es Macaway, il a plus de speed que nous. Ah, ouais, effectivement, il a buté. Bon, c'est pas bon, au moins t'as défoncé son cheval. Le faire, t'as une Nightwatch là qui vont te sauter dessus au début. Hein. Non, non. Ça va, putain, t'as de la chouine. Moi, je vais m'allonger un peu histoire de récupérer. Il spot pas d'aussi loin, hein, peut-être. Mais il y en avait sur le côté droit. Bon, bon, ça va, c'est cool. Attendez pas là pour le reste, parce que je vais passer en fait. Hmm. Je suis pas fait gaffe, je suis descendu. Ah, ok. Bon, de toute façon, on va se rester un petit peu. Ouais, pour moi, je vais aller puis montrer. Vous êtes allé auprès de l'autre proche ? Ouais, enfin, non. Ouais, puis moi je sais pas si ça va être le plus proche, mais oui, je pense, c'est celui qui est en haut. Je suis juste à côté en fait, c'est bon, je me m'étais trompé. Sur la petite forteresse cassée qui est au-dessus de Medulli. Medulli, c'est une ville dans le désert, plage, on va appeler ça comme ça, quoi. Qui est pas mal, mais où il y a beaucoup de gens en mount quand même. Donc en monture, et qui, comme l'autre. Petit gun nous a défoncé. Alors, le flag rouge, hein, pour expliquer, c'est le mec, il a plus de 5 murder count, il a tué au moins 5 gars, quoi. Voilà. 5 gars et. Ouais, 5 bleus, effectivement. Ouais, parce que bleu ne veut pas forcément dire innocent. Hein. C'est clair. Après, voilà, donc c'est le système de flag dans Mortal Online, bleu, gris. C'est ce qui est écrit en fait, c'est pour ça qu'il dit ça, c'est que le truc bleu c'est le stade innocent. Quoi. Oui, c'est sûr. Au lieu de dire bleu, tu peux dire innocent. Alors, ouais, c'est. Donc, ouais, flag bleu, flag gris, on a fait une action répréhensible. Donc, t'appuies sur un mec, prendre un loot qui était bleu, le tag rouge qui est après 5 murder count. Hein. C'est quand il y a un report, ça. Ce que j'ai pas pu faire parce que je l'attaquais, le gars. Y a le Hidden Criminal, ça c'est pour les voleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils restent bleus, mais si jamais on les pousse, eh ben, ils deviennent gris. Et donc ils sont tuables. Par contre, tu peux attaquer sa mount et ça te fait pas passer en local gris pour lui. Ouais, mais, je l'ai attaqué lui en priorité, quoi. Ouais. Ce qui était un peu con parce qu'il était quand même bien stuffé, le gars. Bah, je suis déjà au spot des bombes cubes. Ça marche. Je vais essayer de commencer à thème à trouver. Il y a des Night Snatch près de la forteresse où vous avez reste. Oui, ouais, exactement. On est juste dedans. Ouais. Alors, aussi un truc, bon, enfin, j'expliquerai, mais bon, voilà, le stuff c'est pas comme dans un jeu à la World of Warcraft ou autre, ou un jeu un peu plus casual, quoi. C'est on craft tout dans ce jeu, tout est craftable. Donc vous attendez pas à rentrer dans des donjons hein, avec des armures tier 1, tier 2, tier 3, tier 70, quoi, c'est pas ça. Là tout se craft, hein, tout. Sauf les flèches et quelques petites conneries, mais bon.
Là, on est au spot de Donkei. C'est-à-dire sud ? C'est-à-dire nord-est, je pense, de ta position. Ouais, c'est ça. Enfin, est. Bon, c'est bon, j'en ai deux, il y a quelqu'un là que ouais, j'arrive. Hein. Hop là. J'arrive début. Hop là. Alors, avec la touche K, il va prendre passer le cheval. Voilà, merci. Bon, du coup, j'ai rien à lui donner à becter, mais c'est pas très grave. Bon, tu montes dessus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le cheval ça marche comme ça. Il y a une. Ouais, attends, je vais monter dessus. Enfin, je vais l'appeler pour le moment. Hop. Les Max Nats sont agressifs ou pas? Donc il y a des petits trucs là qu'on peut mettre là-haut pour appeler le cheval, pour le faire attaquer, pour le stay, ainsi de suite. Il y a un truc dans le ciel. Quoi? Une sorte de bombe de choc bleu. Ouais, je pense que c'est un petit bug graphique parce que je vois pas. Mais... Ah non, bah, non c'était. Ouais, je pense c'était un bug graphique, c'était un gros bug graphique. Bah, aussi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'avais entendu une détonation quoi, c'est peut-être une autre relique. Hein. Peut-être. Ah bah dans ce cas, c'est pas intéressant. Mais il y a une relique, il y a une relique là au niveau des Elysium, hein. Mais bon. Donc là, je viens de monter sur le cheval en appuyant sur R. C'est toujours la touche qui sert à peu près à tout, à couper du bois, à casser des cailloux, à parler au PNJ, à vous faire des trades aussi. C'est la touche utilisée, quoi. Voilà, ouais, c'est clairement. Et donc le cheval, ben, vous montez dessus et vous appuyez sur Z pour vous déplacer. Par contre, c'est avec les touches de strafe qu'on fait. Par contre, il y a de l'écho encore chez toi. Merci. Mais vous êtes où en fait à j'arrive. Il y a un mec. Mais il y a Rhinoceros qui va se raser aussi. Je pense pas là-bas. Et donc là, hop. Alors, ouais, le riding. Si vous avez pas beaucoup de riding, voilà ce qui se passe. Moi j'adore dans ce jeu, je trouve ça excellent. Et voilà, hop. Cheval à te foutre dehors, là, c'est super. Donc, ouais, c'est plus. Bah, il faut monter son riding pour éviter de tomber de cheval. C'est assez magnifique vu à la première personne, par contre quand tu regardes un mec se faire jeter, c'est clairement. L'animation est pas terrible. Hein. Alors on peut faire aussi du mounted combat comme le mec a fait tout à l'heure, c'est-à-dire attaquer à cheval, hein. Un peu comme dans Mountain Blade. Hop là. Bah enfin c'est pas vraiment, ça a pas grand chose à voir avec le combat. Oui, enfin je dis un peu comme dans. Ouais. Il y a une différence entre un peu et comme dans. Alors j'attaque un cheval, bon, je lui fais pas mal, forcément. Il me fait plus mal à moi que. Du coup quoi? Bah du coup je suis pas de donkey. Ah ouais, mais comment ça se fait que je t'ai pas vu? Je suis allé entre les deux là, je viens de retourner au. Il est là ouais. Et t'es AFK Renaud? Oh je pense qu'il est AFK. Oui. Ouais. Ah. Il me fait des coups à 9 le cheval. Je pense que j'ai tapé sur le plus gros. Attends, je vais t'aider. Non mais c'est bon, on n'a pas besoin de le tuer. Tiens, attends, okay. Le dernier s'arrête pas deux secondes. Je fais le con avec, il va s'arrêter tout seul là, le cheval. Hein. Au bout d'un moment, il a plus envie d'attaquer. Voilà, tu vois, il a déjà plus envie. Alors, il y a plusieurs races de chevaux aussi. Merci. Ce qui permet... Suivant les chevaux, il y a plus de vitesse, plus. Monte dessus parce que sinon il va continuer à me suivre. Monte dessus, ouais. Et donc on va aller jusqu'à Méduli. Hop là. Alors attendez deux secondes, puis je m'en fais moi aussi pour moi. Ouais. Un jeu riding qui vient de passer à 12, waouh! Alors la map elle est assez grande quand même. Et il y a deux continents. Un continent a plus PVE que celui-ci. Ouais mais bon tu peux le ride, oui, donc tu peux genre. Je peux rien en faire d'autre. Le vendre. Oui bah je vais peut-être faire ça. Le pire si vous avez si tu me fileras 50 silver tu le vendras derrière. Ok. Allez hop, ouais, on est descendu. Bon et ça c'est sûr que c'est pas donné déjà. Quand tu es sur la bon, moi je vais suivre Sarkune. Mon chien qui chouine. Pas de très grave. Hop là. Alors, on va sur la descente. Vers. C'est beau d'être comme ça, lui sur son cheval. C'est clair. Les couilles à l'air. En fait, ça doit faire un peu mal.
Oui, je sais pas, ça fait beaucoup plus mal, tu sais, ma robe elle est. Oh, comme moi, bon, c'est vrai que j'ai avantage d'être une nana sur ce perso. Alors là, je sens qu'il y a... Ah, il a dû faire de la troisième vitesse. Hein. Ou plus de stam sur le cheval. Attendons-le 2 secondes. Il y a un truc assez marrant aussi. Ah, c'est moi, j'aurais été partant, je l'aurais knock avec mon cheval. C'est là, mais lui. Ouais, c'est ouais, lui. Ça, c'est moduli, lit pour moi. Donc, là, on peut aussi casser des cailloux avec le gator tutor, hein, et ainsi de suite. Et ça, c'est des cailloux qu'on peut casser. Les arbres, on peut couper du bois, hein, et ainsi de suite. Voilà. Mais bon, c'est un truc que je vous montrerai dans le crafting et dans le ressources dans la deuxième partie, ça. On va essayer de quand même faire des ressources autour de l'édulie, c'est chaud. Hein. Il y a beaucoup de monde qui tombe. C'est clair, il y en a pas mal. Bah, disons qu'il y a beaucoup de mountain, quoi, parce que c'est quand même très plat. Et donc voilà, quoi. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'arbres, où c'est beaucoup plus safe quand vous êtes à pied. Hein. Voilà la ville de Méduli, près de l'océan. Ah, parce que j'ai ma dextérité qui monte aussi. Ah, c'est le roi. Oui, il a un cheval vraiment bête, parce que plus le cheval a... moins le cheval a d'intelligence, plus il y a des chances de se faire dégager, en fait. Et voilà, on est à Méduli. Donc pareil, il y a une banque à Méduli, la banque est locale, toujours pareil, toutes les banques sont locales, vous pouvez pas récupérer ce que vous aviez à... Encore viré. Ah, moi il me fait pas... Lui est un peu embêtant, c'est que le système de mail aussi est local, et ça les gens des fois ils ont un peu... C'est clair. Au niveau du Veridari là, qui est juste là, que je montre, hop, tac. Vous pouvez vous envoyer des mails donc, mais c'est local. C'est-à-dire que ça peut permettre de vendre aussi, c'est pas mal du tout, quand vous vendez par le forum, dire voilà... donne-moi le nom de ton perso, je t'envoie tant de trucs et en échange je te demande tant de gold ou tant de silver et ainsi de suite quoi. Ça permet de faire des affaires. Voilà. Et donc voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour ce premier let's play. Il y aurait enfin c'est vraiment les bases de Mortal. On peut peut-être faire un duel contre quelqu'un là, pour voir si je perds le cheval. Hop. T'es gris, non? Non, 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 on va faire un slash duel. Si t'es gris ici, t'es mort. Hein. C'est clair. Hein. Willy, il a failli passer gris en me fonçant dessus. Je vais m'allonger. Hop. Allez, Darnus, c'est mieux de s'allonger que de s'asseoir pour récupérer les HP. Ouais, ok. Donc, ouais, c'est toujours dans le L, dans la skill action. On a les trucs, tous les petits trucs qu'on peut faire. Ben là, je vois que j'ai l'extraction parce que j'ai débloqué la butchery. Ben, je vais peut-être montrer vite fait. Parce qu'ici il y a un gator tutor juste là, j'en profite. Le gator tutor il va vous apprendre à couper du bois et à faire les cailloux. Et avec n'importe quel truc à une main, vous mettez devant un arbre, vous appuyez sur R et bam. Et ça commence à couper du bois. Alors, c'est un peu long au départ parce que bah, forcément vous n'avez pas le skill et ainsi de suite. Alors ça vous faites pas ça avec un guerrier, c'est fait pour des crafters et compagnie. Mais c'est pour montrer que ça peut être pas mal, ouais. Ou se faire taper dessus par un pote, ça marche très bien aussi. On l'a fait tout à l'heure avec Kirk, ça marchait, ça lui a bien monté les trucs, et moi aussi du coup. Et là, hop, R, et vous cassez du caillou. Et là, on va avoir de la sabroie. Alors, il existe plusieurs pierres, il existe plusieurs types de bois, mais ça sera dans le deuxième let's play, où j'expliquerai un peu tout ça, quoi. Oh, il y a un truc gris, là. Il y a un cheval gris, si vous voulez time. Ouais, enfin, je sais pas, au début j'ai envie, ouais, surtout que ça a l'air d'être un Desert Horse. Vas-y, Darnus, on se fait un duel. Ouais. Tiens, suis-moi, attends, je vais bloquer mon cheval. T'aurais quelques. Par contre, ouais, j'ai pas de thunes pour les stables, ça c'est un peu casse-cou. Ah, moi j'en ai pas ici. Ah, bah moi non plus, j'en ai pas. Ouais, c'est le sien en fait. Ah, bah, non, mais je fais pas ça, c'est pas le pauvre, hein, quoi. Ah merde! Il est, voilà, il était pas repassé bleu. Bravo, bah le duel, je crois que. Mais de toute façon t'as plus rien sur toi, c'est pas grave. Oh non, mon âne. On voulait faire un truc déconne sur la fin, c'est parfait. Attends, bon t'avais rien, c'est bon, t'as juste ta tête et ton corps. Mais je vais prendre ton corps pour histoire de faire de la nourriture avec. Hop. Ouais, c'est pas cool. Ben, voilà, histoire de me montrer toute la bonne bouffe qu'on peut faire dans Mortal. Hop, je vais te faire de ta tête et ton corps. Et voilà, on
Et j'ai réussi à avoir de la Disguiting Raw Wall Human With Edarnus Dead. On s'est pas assez empoisonné pour que je vomisse comme tout à l'heure, mais bon. Bon bah viens, on se fait ce petit duel alors. Ouais, il te reste assez d'HP. Ouais, parfait. Oui, ça va, ça passe. Allez, hop, ça, je duel. Comme ça, je montre un peu le système de duel, comment ça fonctionne. Alors, on fait slash duel et l'autre doit faire slash duel en face pour que ça soit lancé. Duel is starting. Par contre, ouais, bloque ton cheval. Ouais. Moi, je les stay aussi parce que c'est un coup à foutre un coup dans le cheval de l'autre. Ok. Let's go! Donc là, je bloque. Et ça fait le pari quoi. Quand on bloque du bon côté, hop, ça peut faire le pari. Du coup, faire une contre-attaque directe qui fait quand même très mal et qui surtout qui prend pas de stamina. Donc ça demande à jouer offensif. Là, il est bien bloqué au milieu pour faire un pari. Alors grosso merdo, c'est un peu ça le PVP dans Mortal, c'est du blocking bien pensé. Sans que t'as plus de stats. J'aimerais bien te mettre en merci mode pour faire un petit execute. Mais mon âne, non. Ton âne, t'es juste à côté. J'ai plus de stats. Hop là. En fait, le coup en. Le pari, en tout cas, donne pas plus de dégâts, c'est 100% des dégâts. Mais. C'est vraiment le fait de pas cramer de stam. Est-ce que j'essaie de tuer Wagging? Pourquoi? Ouais, fais ce que tu veux. Mais... tu peux. Bon, allez, tu veux me tuer donc? Non, je vais te mettre en merci mode juste en fait, donc. Et après te mettre un. Voilà, ça c'est le merci mode et en appuyant sur R vous avez ce magnifique truc. Alors au choix, vous enlevez votre épée, c'est encore plus marrant. Et vous allez pouvoir exécuter soit au pied, soit à la main. Ah, bizarrement il marche plus le. Ah si, ça y est. Allez, vas-y, hop là. Voilà, boum. Au coup de poing. Oh, t'as le. Malheureusement, quand c'est toi qui te tues, c'est pas joli. Ouais, les gars. Ah bah oui, je viens de me faire exécuter en merci mode. Donc là, il n'y a plus de tête. J'ai même réussi à lui arracher la tête avec le. Avec le pied quoi. Ouais, d'accord. Je reste à coup de poing là. C'est à coup de poing. Hop là. J'espère qu'il n'aura pas perdu mon petit âne. Ouais. Bah voilà, on a mis du lit, on a fini le let's play plus ou moins. Bon, on a fait quelques petits trucs. Puis on se retrouvera sur un nouveau let's play, je pense d'ici quelques jours. Pour la suite. Donc il sera le craft, les ressources. Et vraiment faire de la thune avec ça quoi. Et ainsi de suite quoi. Et bah, je remercie tous les petits gars qui m'ont accompagné sur Let's Play, donc Kirk, Juke et Edarnus. De rien. Merci beaucoup les gars. Ça a permis de montrer pas mal de trucs. Du coup on a déjà abordé pas mal de choses. Et puis la suite dans pas longtemps. Bah, moi, et puis on espère vous trouver. Finir, les cons on charge Mounted avec nos épées à poil et on va attaquer les mecs comme ça au cimetière. Ouais, bah en Mounted, on va leur faire rien en dégâts. Ah, mais c'est pas grave. Attends, je récupère de la vie alors, j'espère que mon cheval il va pas se barrer d'ici là. Bah attends, j'essaie de respawn. Parce qu'il a 70 de loyalty là, vu que j'ai rien lui donné à becter. Bon, je peux lui donner de l'eau, ouais. Ouais, je vais lui donner de l'eau histoire que. Il dure un peu plus longtemps. Moi j'ai de quoi vite fait là, je suis en train de loguer Brain Crash. Ouais, bon, je file la flotte, t'inquiète, c'est son cheval, c'est juste un petit oncaille. Hop là. Hop là, c'est comme ça qu'on en a mangé, quoi. Donc on prend et on vient juste dans le drop foudrier. Hein. Il y a tous les trucs, c'est pour l'abandonner, le transférer à un autre joueur, le
peut renommer, l'équiper, donc il y a un système d'équipement dessus, on peut y mettre des sacs, des armures sur le cheval et ainsi de suite. Le stay qui lui permet de le laisser à sa place, bon bah qui bouge, tout simplement le follow pour le faire suivre, défensif pour que si on l'attaque, enfin si on vous attaque, il vous défende. Et il y a le passif pour éviter qu'il vienne vous défendre, c'est ça, et l'attaque qui permet de lancer le cheval sur quelqu'un. Enfin le cheval ou n'importe quel autre pète. Hein. Je donne un petit peu plus d'eau quand même. Ok, la touche 4, je ramasse. Oh mon dieu, il y a celle que j'ai essayé de tuer tout à l'heure qui m'a dit your head tastes nice et qui me l'a filé en trade. qui m'a filé en morceau de ma tête cuisinée. Bah je vais essayer. Ah bah oui, ça touche bien, je l'avais pas. Ouais, mais je t'ai fait, je t'ai cuisiné tout à l'heure aussi. Hein. Là, il y a ta tête qui est dedans aussi. Hein. Alors moi aussi, j'ai mangé un peu de ta tête, parce que apparemment elle ramène un petit peu d'HP. Donc il y a un système de poids aussi sur Mortal ici, hop. Le weight. Et il faut être stout pour les guerriers et pour les mages. Comment je fais? Bah, du coup, tu mets un truc avec ton Ottawa Sword. Non, va ramasser un truc là, le type du. Comme ça, je peux te filer le lame et tu le stable. Ok. Alors, je le garde et je le barre avec après, c'est quoi tu vois, mais. Non, effectivement, oui. Sinon, tu prends n'importe quel truc là à côté. Il y a de quand ça s'appelle du. Je me rappelle plus comment ça s'appelle cette herbe à la con là. De la Sidio. Voilà. Ça rapporte pas mal. Ça ressemble à quoi? C'est une petite herbe que tu trouves là, à l'ouest de là où on est, sur la plage. Ok, je vais essayer de la prendre. Là, vous avez déjà mes HP, et on peut aller faire les cons si vous voulez après. Ouais, bah du coup tu me formes... Ah, attends, je te laisse te prendre. Ouais. Moi, je sais pas si du coup je fais la session connerie ou pas. Bah... Ouais, allez hop. Attends. Moi, j'aurais...